Fred préféré. Il fait chaud, très chaud. L'été bat son plein. Heureusement qu'il y a la plage pour se rafraîchir un peu. Et avec cette chaleur, on veut des repas frais et des salades bien garnies. Et même si on a un peu moins d'appétit, personne ne sera contre un apéro entre copains. Tu es d'accord? Parfaitement d'accord. Mais où veux-tu en venir? À la recette d'aujourd'hui. Petit encas ou à servir en apéro. Je te fais confiance. Découvrons ça ensemble avec Jeu de la semaine. On se lave les mains et direction cuisine. Pour les bagels, il faudra 20 g de levure sèche, 200 ml d'eau tiède, 2 ml de sucre, une pomme de terre, 15 ml d'eau, 350 g de farine, 7 ml de sel, 30 ml d'huile d'olive. Dans le bol pousse 600 ml, je mélange la levure dans l'eau tiède avec le sucre. Dans le pichet micro-cook, je fais cuire la pomme de terre, peau piquée, avec 15 ml d'eau, 7 à 9 minutes à 600 watts. Je laisse reposer 2 minutes, puis je l'égoutte, l'épluche et l'écrase. Dans le bol, je mets la farine, l'huile, la pomme de terre et le sel, puis je mélange. J'ajoute la levure dissoute et mélange bien. Je finis de pétrir à la main jusqu'à ce que la pâte soit bien élastique. J'ajoute de la farine si nécessaire. Je couvre avec un torchon et laisse lever environ 30 minutes. Avec la pâte, je forme 12 boules aplaties que je place dans chacune des alvéoles du moule Oops préparé. Un moule en silicone préparé est un moule humidifié et posé sur une grille froide. Je dégage le centre de chaque boule pour faire apparaître les picots du moule. Ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Pour la garniture, il faudra du beurre, 12 tranches de jambon italien, 12 tranches de mozza et un peu de roquette. Une fois tiédi, je coupe les bagels en deux et je tartine les deux côtés de beurre. Je dépose une tranche de jambon sur chaque fond, puis une tranche de mozza et un peu de roquette. Je pose le chapeau. Tu peux laisser ta créativité te guider dans le choix des garnitures. Vite fait, bien fait, original. Parfait pour la saison. Et c'est mignon tout plein. La session est terminée. On souhaite de bonnes fins de vacances aux juilletistes. Et de bonnes vacances aux haussiens. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.